Well, I mean, let's look at the mountains. Mille bâtiments situés à proximité du Vésuve risquent de subir les mêmes dégâts que ceux causés par la nuée de cendres aux Philippines. La direction des vents dominants déterminera l'endroit exact où tomberont les cendres. Si aujourd'hui le Vésuve devait connaître une gigantesque éruption qui propulserait des cendres dans la stratosphère, la zone la plus touchée serait celle située sous le vent. Les immeubles ne sont pas les seuls menacés. Si elles tombaient en grande quantité, les cendres pourraient isoler une grande partie de la zone sinistrée après l'éruption. Les cendres volcaniques présentes dans l'air vont bloquer les voies de transport, qu'elles soient terrestres ou aériennes. Les débris volcaniques causeraient également des dégâts sur les récoltes, le bétail, et contamineraient les eaux potables dans un périmètre de plusieurs kilomètres autour du Vésuve. Et les retombées de cendres ne sont que le premier des dangers provoqués par une méga-éruption. Le second phénomène destructeur, ce sont les puissantes avalanches brûlantes de matière volcanique, appelées coulées pyroclastiques. Les scientifiques analysent les plus violentes éruptions pour comprendre à quelles grandes menaces nous risquons de nous exposer. Le premier danger viendrait d'un monstrueux panache de cendres qui s'élèverait très haut dans le ciel. Le second composant de cette terrible éruption serait les coulées pyroclastiques. Composées de nuées de cendres brûlantes, de gaz et de fragments de roches, elles s'écoulent rapidement du cratère, emportant tout sur leur passage. Ils peuvent former deux types d'activités volcaniques. Certains volcans créent des dômes de lave qui remontent à la surface sous forme de pierres en fusion. Quand le dôme grandit et que les flancs deviennent plus escarpés, la lave s'échappe en libérant des gaz. Le mélange de gaz et de pierres volcaniques brûlantes est à l'origine des flots pyroclastiques. Ces flots peuvent également apparaître si une partie du panache de cendres retombe sur les flancs de la montagne sous l'action de la force de gravité. Étudier ce phénomène peut s'avérer fatal. En 1991, sur le mont Kunzen au Japon, Maurice et Katia Kraft, deux volcanologues chevronnés, furent tués alors qu'un flot qu'ils étaient en train d'étudier changea sa trajectoire et les recouvrit de son enveloppe de gaz brûlant. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur ? Probablement. Je crois que je viens de frôler la mort. À 21h, priorité aux nouvelles. Priorité au direct. Votre téléjournal RDI, rythmé par l'actualité de toute la journée. Avec Geneviève Asselin, dès lundi 21h sur RDI. Le Petit Larousse Illustré, le dictionnaire préféré des Québécois. La critique et le public sont unanimes. 5 étoiles. Super, spectaculaire. Double coup de poing. Extraordinaire. Excellent. Beaucoup d'émotions. Percutant. Vincent Cassel est impeccable. Un Dupuis magnifique. Se surpasse. Un rythme d'enfer. Beaucoup d'action. À voir. Vincent Cassel, Roy Dupuis. C'est quand t'as voir un bon film au cinéma, là, c'est ça de savoir. Messrine. Le président de la commission d'enquête sur le processus de nomination des juges, Michel Bastarache, appelle à la retenue. Les trois hommes accusés de fomenter des actes terroristes étaient en mesure de fabriquer des bombes, selon la GRC. Opium en Colombie-Britannique saisi de 60 000 plants de pavot à Chilliwack lundi. Le colonel Russell Williams renonce à son enquête préliminaire et est directement cité à procès pour meurtre et agression sexuelle. Élection générale au Nouveau-Brunswick le 27 septembre, les électeurs iront dorénavant aux urnes à date fixe tous les 4 ans. Terre-Neuve, la société Cougar poursuit Sikorsky pour 27 millions à la suite de l'écrasement d'hélicoptères en 2009. Vous êtes en direct à RDI.
la mort, les expositions à vivre. Musée, 27 expositions en Mauricie et au centre du Québec, expomore.com. Si vous cessez de fumer, essayez l'inhalateur Nicorette. C'est pratiquement comme fumer, mais sans fumer. Je m'appelle Bastien, j'ai 9 ans et demi. Hier, j'ai vécu un drame chez moi. Il y a eu le feu, puis les pompiers et la police. Il y avait de l'eau partout. C'est là que les vrais héros sont arrivés. C'était super techno. La maison est revenue comme avant. Ils sont vraiment cool. Moi, depuis hier, je sais ce que je veux faire dans la vie. Bonjour. Est-ce que je peux t'aider? Bonjour, madame. On me demande d'emploi. En Calisthenics, Calinette est tout simplement les meilleurs. Le France, le plus grand paquebot de son époque. Construisez la maquette de ce bateau légendaire. Chaque semaine avec des instructions faciles et des éléments découpés au laser. Assemblez cette superbe reproduction du France. Le numéro 1, le DVD et les premières pièces, seulement 1$. Cette semaine, le grand solde d'été Kia. Profitez d'un lot comptant exceptionnel sur toute la gamme 2010-2011. Surtout, c'est de la 2010 jusqu'à 7 000$ en rabais disponible. Nos Sorento 2011, réduits à partir de 24 760$ seulement. Et nos Rondo, utilitaires urbains par excellence, en rabais de 4 000$. Avec leur transport et préparation à seulement 17 660$. Plus, un an d'entretien sans frais. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Chez vos concessionnaires Kia du Québec, hâtez-vous car nos meilleurs offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route. On se meurt de vous recevoir. Fin musée, 27 expositions en Mauricie et au centre du Québec. Expomore.com. En 1995, sur l'île de Montserrat dans les Caraïbes, la soufrière se réveilla, déclenchant de très nombreuses coulées pyroclastiques suite à l'effondrement du dôme. Des années d'activité pyroclastique constante donnent aux scientifiques une occasion unique d'en savoir plus sur ce phénomène dévastateur. David Lee est sur les lieux depuis le début. Toi, est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Je crois que je viens de prôner la mort. Il filme la beauté sauvage des coulées pyroclastiques glissant sur les pentes. Les flots dévalaient la montagne, brûlant tout sur leur passage. C'est impressionnant à voir. Un spectacle magnifique et destructeur. Le volcan de Montserrat, en activité permanente, offre à Lee des images de coulées pyroclastiques extrêmement spectaculaires. Je suis monté sur le volcan. Je me suis installé et l'éruption s'est produite. C'est comme ça que j'ai pu avoir ces images. Parfois, on peut attendre des mois sur le mont. Là, tout a marché très bien. C'était formidable. Depuis juillet 2003, le volcan est relativement calme et les insulaires commencent à reconstruire leur village et leur vie. Mais pendant des années, il a été la meilleure source d'études sur les coulées pyroclastiques. Montserrat est devenu un laboratoire pour les scientifiques venus du monde entier pour apprendre ce qu'est ce phénomène sur un volcan relativement petit. Le professeur Bill McGuire est à Montserrat avec d'autres volcanologues pour témoigner du pouvoir de destruction de cette force de la nature. Je me rappellerai toujours cette cabine téléphonique qui, en 1996, était recouverte d'une fine pellicule de cendres. Quelques années plus tard, cette cabine avait totalement disparu. Les coulées pyroclastiques ont bel et bien balayé la ville de Plymouth. Deux mécanismes sont à l'origine des dommages causés à Montserrat. Le premier, la chaleur intense de ces rivières de matière volcanique. Compte tenu des températures atteintes sur les pentes de la soufrière, de l'ordre de 500 degrés, peu de choses survivent, comme le montrent les tests. Ce four atteint les 500 degrés en une minute. Les objets se trouvant dans la trajectoire des matières volcaniques brûlantes atteignent presque instantanément cette température. Les coulées pyroclastiques possèdent un deuxième mécanisme de destruction, une force assez puissante pour balayer quasiment tout ce qui n'a pas été incinéré.
la pression créée par la masse des matériaux se déplaçant très rapidement est assez forte pour briser des murs de pierre. C'est cette force qui a détruit de nombreux bâtiments à Montserrat. Les expériences permettent aux scientifiques de comprendre les dynamiques de ce phénomène mortel. Ils pourront ainsi déterminer les futures zones volcaniques à risque. Pour pouvoir estimer le danger, nous avons besoin de savoir jusqu'où et à quelle vitesse vont ces flots. Pour ce faire, nous avons recours aux simulations en laboratoire afin de comprendre ce qui contrôle leur circulation. Dans cette expérience, de fines particules sont suspendues dans de l'eau. Lorsqu'une grille est ouverte pour libérer cette mixture, cette dernière est poussée le long d'un conduit, mû par la gravité. Nous avons là une représentation des forces dynamiques qui actionnent les coulées pyroclastiques. La vitesse et la longueur des flots volcaniques peuvent être immenses. Les coulées pyroclastiques traversent parfois des centaines de kilomètres. Leur rapidité dépend du degré de la pente, mais elle avoisine les 100-200 km/h. Si le Vésuve produisait une méga-explosion, un mur de roche au nord du cratère entraînerait les flots dans un chemin relativement étroit au sud, selon un schéma vieux de 2000 ans. Les coulées se dirigeront vers le sud, sur 10 km, en direction de Pompéi à Culanum, avant de rencontrer la mer. La partie la plus légère du gaz s'échappera à la surface de l'eau, tout comme Pline le Jeune l'a écrit en 79 à page d'écrit, et comme nous l'avons nous-mêmes observé à Montserrat dans les années 90. Les coulées pyroclastiques issues d'une grosse éruption pourraient traverser 10 km depuis le centre du cratère, causant autant de dégâts qu'à Montserrat. Le scénario sera le suivant. Des bâtiments enfouis sous les décombres, des ponts détruits, des routes coupées. Le ciel sera gris, couvert de cendres. On ne reconnaîtra plus rien. En cas de méga-éruption, les flots pourraient se répandre et tout dévaster en quelques instants. Mais il existe une autre conséquence qui n'aura pas d'effet immédiat. Elle pourrait continuer à détruire des vies des mois, voire des années après l'éruption. Quand un volcan entre en éruption, des roches, de la cendre et des ponces retombent en grande quantité sur ses flancs. Il suffit d'y ajouter de l'eau pour que cela devienne un lahar, c'est-à-dire une coulée de boue dévale les flancs de la montagne. L'éruption du Mont Sainte-Hélène en 1980 provoqua de nombreux lahars de plus d'un mètre de profondeur, se déplaçant parfois jusqu'à 80 km par heure. L'eau qui créa les lahars venait de la fonte des glaciers. 11 ans plus tard, le Pinatubo aux Philippines cracha plus d'un mètre cube de débris volcaniques. Ce sont les eaux des typhons qui provoquèrent les lahars. Le déluge venu des tempêtes tropicales arrosa les débris volcaniques et les emporta vers les villes et les villages avoisinant le mont. En 1995, des lahars ont menacé le village de Cabalantian, situé à plus de 30 km du Pinatubo. Rico Malgapu se trouvait dans le village quand les eaux du typhon Mameng créèrent un lahar de 5 mètres. On aurait dit que des éléphants arrivaient par centaines. La maison tremblait comme une feuille. Les lahars se déplacent autour du village à environ 20 km par heure. Quelle rapidité, quelle puissance! Le lahar transportait les pierres qui venaient heurter les maisons et les faisaient vaciller. Les villageois sont contraints de se réfugier sur le toit de leur maison. Mais Malgapu réalise qu'il est possible de traverser la coulée de boue et aide ses voisins à se mettre à l'abri. J'ai été pris dans un lahar et je n'ai pas coulé. À un moment, j'ai glissé et je me suis rendu compte qu'il était plus facile de nager sur le lahar. Quand on a un adorable petit garçon, une adorable petite fille, tout d'un coup on sent le danger se rapprocher. Vous avez l'impression que la société aujourd'hui est plus violente qu'hier? Ah oui, ça c'est. Vraiment? Moi je trouve ça incontestable. Moi quand j'étais enfant, je passais mon temps dehors. J'avais un